Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un plano ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #KD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Hey bien, salut tout le monde, c'est FinTech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien, comme vous avez vu au titre à la vidéo. Aujourd'hui, on va simplement se retrouver sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de tout se rendre dans la boutique d'objets et de faire se souvenir à la case un créateur et là de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #KD. Cela me fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à le faire dans la boutique d'objets, comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir 3 nouveaux tickets de remboursement sous Fortnite. Alors, tout simplement, je vais vous montrer dans mes paramètres que je ne possède aucun ticket de remboursement. Voilà, se faire rembourser un achat, comme on peut le voir ici, je possède aucun ticket de remboursement. Voilà, ticket de remboursement disponible 0. Et d'ici un an, j'aurai tout simplement des nouveaux tickets de remboursement. Et moi, j'ai trouvé une solution pour pas attendre un an et avoir directement ces 3 tickets de remboursement sous Fortnite. Alors, première étape, mon e-ball le plus important, tout entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Une fois que ça c'est fait, là vous allez partir dans vos paramètres juste ici, et là simplement vous allez partir dans se faire rembourser un achat, et là vous allez descendre tout en bas dans le premier achat que vous avez fait, et là vous devez bien utiliser la case de remboursement. Là, ce que vous allez faire, là vous allez cliquer tout simplement ici, utiliser le ticket de remboursement. Là vous allez faire le bouton nom, et là vous allez encore recliquer une fois, et là vous allez faire oui, je vais utiliser un ticket de remboursement. Là vous allez cliquer, là il y aura simplement une erreur. Oups, une erreur est survenue lors de la communication avec les serveurs du jeu, insuffisance de refund crédit. Et là simplement vous allez faire continuer, et là vous allez faire OK. Là vous allez faire le bouton retour, le bouton retour, le bouton retour. Et simplement là vous allez repartir dans vos paramètres juste ici, en dessous des paramètres. Là vous allez partir dans signalement, signaler un bug ou un joueur ou une île. Là vous allez faire signaler un bug, là vous allez descendre tout en bas, c'est très important. Boutique, casier ou salon. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, là vous allez cocher la case. Là vous allez faire refaire une capture d'écran, vous allez attendre quelques secondes, et là vous allez faire le bouton continuer et accepter. Là c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Là vous allez faire un nouveau retour, là vous allez attendre quelques secondes, là vous allez faire signaler un bug. Objet cosmétique, tenue planeur, emote, pioche et revêtement. Là vous allez cliquer sur la case. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Là, vous allez cliquer et là, vous allez faire continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Une fois que ça s'est fait, l'objet que vous voulez vous faire rembourser, c'est simplement, je vais repartir là. L'objet que je voulais me faire rembourser, c'est simplement une émote, c'est simplement cette émote-là. Du coup, là, ce que vous allez faire, là, vous allez choisir l'émote casier. Voilà, c'est vraiment super simple. Si vous avez choisi un skin, là, vous allez vous équiper de votre skin. Du coup, simplement ici, là j'ai bien les modes. Voilà, ici c'est cette mode là que j'ai envie de me faire simplement pour avoir 3 tickets de remboursement. Là, je retourne au lobby et là, juste à faire les modes que je viens juste de faire. Là, je retourne ici dans signalement et retour. Là, je fais signaler un bug. Du coup, je dois vraiment faire ça vite. Boutique casée au salon. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Et là, vous allez bien faire avec les modes ou sinon le skin que vous voulez vous faire rembourser avec les 3 tickets de remboursement. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Et là vous allez faire simplement continuer pour pas avoir la case des options juste ici. Là vous allez faire continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Alors là vous allez faire le bouton fermé, et là ce que vous devez faire, vous devez juste patienter 24 heures ou sinon 72 heures avant qu'Epic Games soit votre ticket de remboursement et vous remettre vos 3 tickets de remboursement sur Fortnite. Voilà, c'est vraiment super simple. C'était FinTech, comme d'habitude, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #KD, c'était FinTech, allez, ciao tout le monde.